Actualité à continuité, les dames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Nous venons encore vous informer ce jeudi 1er août 2024 depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes des milliers de Congolais qui nous suivez depuis la diaspora, vous êtes des milliers de Congolais qui nous suivez en République démocratique du Congo, vous êtes des milliers de Congolais qui nous suivent à pareil instant depuis plusieurs endroits. Nous vous disons merci de votre fidélité. Bon début du mois d'août chez vous, partout où vous vous trouvez, les dames et messieurs. Bon début du mois d'août à ce déplacé de guerre qui aujourd'hui semble perdre l'espoir face à ces rétrociteux de ces affrontements qui sont superposés entre les deux parties RDC, Rwanda, face à cette agression rwandaise aujourd'hui qui veulent-elles bien s'imposer sur les sols congolais? Où est-ce que nous sommes sur les plans diplomatiques en République démocratique du Congo? Tout au long de cette émission, les dames et messieurs, on essaiera de parler de la suite de ces processus de dialogue, relance des processus de dialogue à Luanda. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Parce que Belé Abatulelo Balingi Babosanaki, tous en situation Oyo et Sengelito Landela de très près. Depuis un certain temps, vous êtes nombreux, Bozo Landela, Bitumba Oyo, dans l'est de la République. Vous alliez Belé, Bozo Kanisa, qu'il est important de mettre fin cette fois-ci, na Bitumba Oyo, si et sali 30 ans. Vous êtes des milliers de compatriotes congolais qui estiment qu'à présent, cette fois-ci, Esengeli Génération Oyo, Eza actuel, Etia Souka ya Bitumba, Namakambo Oyo. Est-ce que Eza Bitumba ya Gotike la Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce que Eza Bitumba ya Gotike la Christian Chiwewe? Est-ce que Eza Bitumba ya Gotike la Gika Bongo Mwadiam Vita? Est-ce que Eza Bitumba ya Gotike la ba FRDC Towa Zalendo? C'est une guerre qui demande la participation de chaque Congolais. Oza lozana diaspora, oza lozana libanda yamboka, oza la kati yamboka, oza na ba village, oza na mwenedi tu, oza na luan, oza partout. Retenez que Bitumba ezo sale mana kati yamboka na biso. D'abord, c'est une guerre d'agression. Et quelle attitude aujourd'hui nous devons prendre? Quel mécanisme est-ce que tu as mené les lots? Nini Oyeza plat B, tu as un bon akati Bitumba dans l'est du pays. Tu as un plat A, et ça diplomatie comme les autorités congolaises, bas ont favorisé mingi mingi approche diplomatique. Deuxième plat, et ça plat à Bitumba. Comment est-ce que nous sommes en train de gérer plat à Bitumba wana? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà prêt au sala Bitumba? On criait un certain temps, nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés. Infiltration est le comme Eliwapi. Comment est-ce que la République est en train de gérer les cas? Il y a un traître. Voilà, nous sommes tous les seigneurs qui sont au sérieux. Si nous voulons finir cette guerre, Bakonzi Amboka et Sengeli Batale la Likambouana avec l'Usomoko Yamayele. C'est-à-dire, balan de la yango de très près. Place na biso ezali nini. Parce que, avec ces gens, tu okende sur la table de négociation, tu okende sur certains. Ndenge a li rezobon sa biso, tu okende la table de négociation, tu okende la table de dialogue. Mais retenez que, ekoz la dialogue a li posote, ni chez Félix Antoine Tshisekedi, ni chez Joseph Kabila, ni ma prédécesseur n'a pas eu parce que la guerre aujourd'hui dure déjà au moins 30 ans. Toujours compté 30 ans. Mandat à Joseph Eza inclus dedans. Premier mandat à Tshisekedi Eza inclus dedans. Mandat à Laurent Désiré Kabila Eza inclus dedans. Mandat à Batouana Eza na kati à 30 ans wana Bitumba Ezali. Depuis tout ce temps, ces gens n'ont pas su comment mettre fin Bitumba wana parce que. Et ça même équipe, mais ça qui ont changé Varese. Les lots baillés sous casquette et à FDL. Les lots, Kuna lobby baillé la casquette, y'a bah M23. Kuna baillé la casquette, y'a AFC. Kuna baillé la casquette, y'a CNDP. Kuna baillé la casquette, donc ma casquette et ça est belé. C'est une même équipe, mais qui change le Varese. Bah, ils ont changé qu'à Varese na Bango.
Varese, il change la tenue. Bazo change de tenue, mais c'est même équipe. Alors, comment lutter aujourd'hui Kosu qui sa équipe Wana? Parce que le problème, c'est le système. Aussi longtemps Kagame est là, aussi longtemps, le problème Wana est aussi ici à Ngote, parce que nous ne savons pas ce que Kagame aussi prépare dans Ngambonaï. Et pas au nom de la paix, tu aucun de Sirine, même table pour nous imposer encore les choses. Je rappelle bien ici, je ne confirme rien, mais je rappelle ce que l'opinion divulgue aujourd'hui. Oh, Kabila a signé des accords, Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela. C'est ce que les gens déclarent. On dit que la grosse erreur, que c'est Kabila qui aurait signé les accords avec les rebelles du M23 pour accepter la paix, le rétablissement de la paix. Mais parce qu'il n'a pas très bien fait, aujourd'hui la guerre est revenue. Nous appelons les autorités aujourd'hui à être vigilants. L'État qui est posé à la table et à négociation, Bossal et à Moranouté. Mais le temps que vous l'aurez fait, soyez vigilants. Parce que ce que vous allez signer aujourd'hui risque soit d'enfoncer le Congo dans la profondeur et à Mounere, comme le Kaïsika et Zali, soit de faire sortir le Congo dans le trou où il y a un liboulou. Il y a deux choix, il y a le Bossou Nabiso. Avant de signer, est-ce que ce que vous allez signer à long terme, est-ce que est causé la ma conséquence t'es? Ça c'est selon moi. Oyo va signer tout oyo. Parce que ça processus bazanango, la Monisco a salué processus wana, décision à Luanda. L'Union européenne a fait cela. Ba organisation oyo au niveau mondial, nyo se zo salué. C'est-à-dire c'est, ils s'attendaient à niveau 1, ils s'attendaient que RDC na Rwanda va qu'il y ait un dialogue. Un ambassadeur de l'Union européenne a déclaré ça ici à Goma que Bitumba oyo tokomele ango kaka d'une manière diplomatique. Parce que bah, ebi, sur la table de négociation, ils ont mis les exigences en avant pour que la République démocratique du Congo soit contrainte d'accepter pour le retour de la paix dans l'est de la République. En fait, qu'ils obtiennent ce qu'ils ont toujours voulu obtenir. Est-ce que tu as signé Mikanda Wana na miso ako kangama? Vous l'avez toujours dit ici. Les gens acquisent Kabila de tout dans ce pays. Je l'ai encore dit, c'est ça. Ma. Batouoye bazo funda Kabila. Ce qui acquise Kabila, c'est ce qui était avec Kabila hier. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, à côté de Félix Antoine Tshisekedi, se moquent de Kabila pendant que c'est eux qui ont signé ces accords hier. Et lorsque le peuple congolais souffre aujourd'hui, on dit de Kabila. Lorsque les M23 peut-être pourront surgir demain, après Tshisekedi, si Tshisekedi n'est-il pas vraiment l'intention, s'il sait qu'il va signer, s'il ne fait pas attention, s'il sait qu'il va signer, na makambo oyo bakolo solo la wana na Luanda, le peuple congolais pourra souffrir demain. Et bah, ingrat, oh, et bah, ça, autour, il y a président de la République. Reviendront demain pour dire, c'est une grosse erreur, une erreur monumentale que Félix avait commis dans le passé. Ne soyons pas demain, que toi, bah, n'a refingé, n'abisso. N'attendons pas demain pour guérir ce que nous pouvons guérir aujourd'hui. S'il faudra rester catégorique, apporter la paix d'une autre manière, mais ne pas accepter l'agenda du Rwanda, n'acceptons pas ça. Lorsque le Rwanda nous demande, je prends exemple, Tolo Belakayango, parlons-en un peu ici. Donnez-vous votre état. Tolo Belakayango, biso na biso. Lorsque le Rwanda nous exige, to cede à Mosakima, sur titre à Nini. Ba Rwandais, ba sale la biso Nini, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous pour qu'ils méritent ça? Tout ça va ma société, basale la biso, nini. Ils nous ont donné quoi? Et nous ne pouvons pas nous rabaisser face au Rwanda parce que les États-Unis exigeaient biso. Nous ne pouvons pas nous rabaisser face au Rwanda parce que l'Union européenne menace de nous sanctionner. La communauté internationale menace de nous sanctionner. Nous ne pouvons pas se rabaisser devant le Rwanda. Parce que nous sommes à la recherche de la paix,
Nous ne pouvons pas nous mettre comme des petits garçons devant les Rwandais. Pour qu'ils se retirent. Non! Nous devons nous imposer. On est une nation, on est un pays. Nous devons nous imposer. Si ça ne tue pas sur le plan diplomatique, revenons chez nous. Tout ça va ensemble au niveau national, au niveau Yabiso. Morale Katina Biso, nous sommes partis à Luanda, ça n'a pas tenu. Réorganisons-nous au niveau interne, faisons la guerre. Moi je pense que les autorités congolaises doivent être véridiques à un certain niveau avec le peuple. Quand ça peuple que oh et simité. Bino Bokanisi nini pour que tout le cana dimension mosusu. On ne peut pas nous prendre. Bako zo biso bongote. Ba déclaration à Rwandaisani. Ba exigence à Rwandaisani. Qu'est-ce que le Rwanda veut exactement? Parce que dire au Rwanda que Kagame olingi nini, ça c'est simple que ça. C'est simple que ça. Koebisa Kagame olingi nini, c'est simple que ça. Mais koebisa Kagame que si on ne s'entend pas ici, Tokei Kuna, on ne va plus dialoguer. Tout le monde a pas payé, monsieur, ils ont fait des affaires. Bafandi, il pèse sur eux. Et pas rester dans des distractions où le gouverneur, Nakatia Mboka, ba gouverneur, Nakatia ba province, ba ministre, Nakatia Mboka, ba Tikalika Sango, nous sommes agressés. Et maintenant quoi? Et après, qu'est-ce que nous faisons après? En train de manifester qu'on est en train de nous exterminer, on ne fait rien. Et vous ne parlez pas. Et vous ne faites rien maintenant. Moi, je suis le bâté, je ne peux pas aller de l'autre côté. Est-ce qu'on vous empêche de vous défendre? Comme on est une nation, on est agressé. C'est comme ça une nation peut agresser aussi son agressé. Oh non, on ne va pas se fier avec ce groupe rebelle M23. On est une nation. Cela ne sont plus des prétextes à montrer au devant les peuples congolais. Parce que plusieurs font entendre cela. On ne pouvait pas violer la trêve, les cessez-le-feu, on est une nation. Non! Les M23 violent, on viole aussi. On n'accepte pas ça. Bah, violer, ton violer. Bah, avancer, biso, ton avancer. Et Kosunga Biso, de comprendre que c'est les Rwandais qui nous agressent. Ce n'est pas les M23 qui nous agressent. Laissez à dire même les Rwandais nous agressent au bien. Non, c'est même. C'est les Rwandais qui nous agressent. Les M23 sont les Rwandais. Au travers les M23. Non, pas au travers les M23. Ce n'est pas une équipe. C'est Kagame qui est là-bas. C'est les Rwandais qui est là. C'est les Rwandais qui nous agressent. Ce n'est pas les M23. C'est les Rwandais qui nous agressent. Et nous devons nous défendre face à cela. Bakoti tokoti. Tout me dit depuis Kala. Et c'est là qui est le tokota. Assiéger Gisenyi, ton fan de Sabango Wana. Les autorités aujourd'hui, Bazomi contacté Kakano, toujours c'est la processus à Luanda, processus à Nairobi, processus à Luanda. Nous on reste que dans ce sens. S'ils ne respectent pas le processus à Luanda, on ne dialoguera jamais. Bon, et si on ne dialogue jamais, c'est-à-dire on ne fera jamais la guerre, des milliers de Congolais, Bazom croupir dans les camps de déplacés et qui n'acceptent pas. Et qui ne sont pas d'accord. Bazo et Bissamango, que non, les lots, c'est le fait, Zali. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord dans cette affaire. Les autorités congolaises, Sengeliba Mona Moussika, qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci? Bon, qu'on signe Mikanda, c'est bien bon qu'on signe Mikanda. Mais à long terme, quelles sont les conséquences de ce que vous allez faire? Les conséquences, le président de la République ne sera pas là-bas éternellement, il va partir. Lorsqu'il va partir, c'est lui qui viendra. Est-ce qu'il ne va pas hériter les mêmes problèmes que lui? Kagame a causé un raté pour qu'il y ait un embrié président ou yakoya. Voilà, nous sommes tous là, ils ont mis tout là. Attaque, c'est une liste à la proportionnelle. Babeti to beti.
Ba sali boy to sali boy. Ba exigence à Rwanda, Rwanda Zoya, non, tout ça la boy, tout ça la boy. Nous on accepte, nous on ne va pas accepter. Nous pour qu'on se retire, il faut boy. Ah! Oh, Congo bazo exige biso boy. Congo bazo exige biso, Rwanda exige biso. Topé sa yango boy, topé sa yango boy. Boti que la biso libre soya ko sala boy. Non, il faut nous intégrer dans votre armée. Sous quelle forme? Brassage, mixage. Et ça, les mains, sous quelle forme? Donc, comment wapi la constitution à Congo que lorsque Congo est agressé pour réparer cette affaire à l'amiable, il faut dialoguer avec les rebelles? À un point, il faut les intégrer dans le gouvernement. Wapi et ça, les mains, où est-ce que cela s'est réalisé? À part en RDC. C'est le seul pays au monde où les rebelles. Balingi ba mizuwa, lokola ba mwami, nakati ya mboka na biso. Et ça, on ne peut pas accepter. Ça, ce sont des erreurs. Et s'il faudra le dire, les journalistes, on en parlera toujours. Ce sont des erreurs monumentales. Oyo ba autorité congolaise, bazo salak. D'accepter de dialoguer, d'accepter de négocier. Dialogue wana, nga na zo mon atan koutoutina na ngote. Un dialogue ou les hommes en tête, ça ce n'est pas visible. On va dialoguer, on va dialoguer, on va dialoguer. Et puis après, tout si ton dialogue à 50, combien de dialogues jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas payé, ça n'a pas de résultat. À quoi bien bon d'accorder une confiance à celle-ci? Ça n'a pas de sens. Oh non, il faut nous intégrer dans votre gouvernement. Et ça, les mawapi. Combien de Congolais sont dans le gouvernement rwandais? Combien de Congolais sont dans l'armée rwandaise? Combien de Congolais sont des officiers au Rwanda? Est-ce que vous connaissez même un seul Congolais? Pour qu'aujourd'hui, Ebisa Bisso va à la OCEA apparaît sécuritaire Nabisso. Ça sont des erreurs qu'il faut éviter. Faut pas jouer avec les mots les erreurs du passé. Voilà les erreurs du passé. Éviter les erreurs du passé, c'est ça les erreurs du passé. Bakonzibo, évitez les erreurs du passé. Lorsque vous allez signer les accords avec le Rwanda, dialogue avec le Rwanda, au Rwanda, évitez les erreurs du passé. Misa, mixage, brassage. Toi, tiens, na kati armée na biso, na kati gouvernement na biso. Ça, c'est une grosse erreur. Grosse erreur. Espionnage et salimaka partout au monde. Infiltration et salima partout au monde, mais pas d'une manière officielle. Qu'on les fait entrer très bien librement parce qu'ils sont nos voisins. Ils sont nos voisins, ma paix sera bisonine. Qu'est-ce que nous on bénéficie du Rwanda? Qu'est-ce que la RDC gagne au Rwanda? Nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien. Et au nom de ces compatriotes qui souffrent dans les camps de déplacés, cette fois-ci, Bakonzi, bon éviter ma erreur à passer. Bon éviter ma erreur à passer. Ne vous rabaissez, ne négociez pas. Nous ne savons pas Bolingani, ne négociez pas. Ça ne tue pas, ça ne tue pas. Rentrez au pays, réorganisons-nous. Faisons la guerre contre les Rwanda. Tozo lo bayango à matin, midi, soir. Nous ne voulons pas voir Patrick Mouya venir un peu après pour des explicatifs. Voilà Tolingi Angote. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons attendre que le gouvernement a mis à terme au dialogue et au processus de Rwanda. Le gouvernement congolais décide de n'y plus partir au Rwanda. Et va promettre aux Congolais de prendre d'autres dispositions à l'interne pour mettre fin à cette agression rwandaise. C'est ça. Rwanda va français ton guito yokawa. Ba ebis biso koza la cesser le fait. Quelqu'un m'a posé cette question. La Zanga Gikutunga Moko réponse à Opesa. Mais si les journalistes, c'est le fait que vous avez pour combien d'états, on ne sait pas jusqu'à présent. On ne nous a pas communiqué cela. Bazo Zela Mutumoko Abima, c'est le fait que vous avez 10 ans pour que l'opinion soit perturbée, pour qu'il va communiquer les sous. C'est le fait que vous avez pour combien de temps? Est-ce que Kozala, il y a Mikolo Mboula Mibale? Est-ce que Kozala, il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois? On ne sait pas. Mais nous devons aussi savoir. Tout ça, ces détails, nous devons savoir. C'est le fait et qu'on sera pour combien d'états. Parce que si le gouvernement n'est pas aussi clair dans cette affaire, toi, il y a les secrets d'état.
Ezalaka. Mais le gouvernement doit être clair, véridique dans cette affaire. Le lenge basangi communication, l'ikolo, Yakobé, le président de la République, qui ne sera plus à Kisangani parce qu'il est malade, il est à Belgique, Azola n'est la santé, naye, voilà bien, c'est bien bon. Et si dans les affaires, boé, il y a processus, oh, et bozo, qui ne s'engala qui vous rappelle clair sur ça, c'est bien bon. Parce que ce que vous allez signer, c'est la population qui va vivre les retours de cela après. C'est soit la paix durable, soit la guerre à long terme. Et vous devez être clair à cette population. Savoir que la population est d'accord avec ça. Et cela va jouer en faveur de cette population. Si cela n'est pas le cas, si cela n'est pas le cas, je déclare mieux ici. Donc, tokozonga la bitumba tôt ou tard. Tokozonga la bitumba oyo. Lorsque Kabila prenait les accords d'après certaines personnes avec les rebelles du M23, il ne savait pas si ça allait retourner comme ça. Plusieurs personnes en parlent ainsi. Aujourd'hui, il n'est pas là, Batebele Bazoloba. Lorsque Félix Tshisekedi ne sera pas là, les autres viendront pour parler de Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous devons nous unir ensemble. Et nous ne serons pas unis si le gouvernement ne donne pas ce libre-échange. C'est ce que Batumosu Bazobosana. Nous devons être unis pour faire la guerre. Mais vous d'abord, vous-même, vous n'êtes pas clair au sujet de la guerre. Comment est-ce que vous voulez que nous puissions accéder à la bibliothèque clarté? C'est le fait. C'est pour combien d'états? Oyo ayebi peut-être dans la fuite d'informations, à copier sa bise sur un commentaire. Et qu'est-ce qu'il pense dans le processus à Luanda? Yozo Kanisanini, Ozo Landabiso, qu'est-ce que Ozo pense dans le processus à Luanda? Quelles sont les erreurs que les autorités congolaises ne doivent plus répéter cette fois-ci? Rwanda Zolo, Baba FDLR, Baba FDLR, Baba FDLR. Est-ce qu'ils ont même, c'est l'exigence Nango? Est-ce que les Rwandais nous font la guerre? Parce que d'après eux, il y a les FDLR s'ils sont congolais? C'est aussi une question qui se pose. Les dames et messieurs, fin, il y a des décryptages Nabiso et Alilo, tout ça qui est la situation diplomatique en Boka Nabiso. Relance un processus à Luanda. Encore combien d'états cette guerre va persister? Mituna, Ezo Mituna, Kotoyo, Nakuna. Merci les dames et messieurs, c'était Youssoufou Kibingila à David. Je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre. On se fixe un nouveau rendez-vous. C'est vendredi 2 août 2024. Geno Coste Lobby, Kobo Sanate, on se retrouve pour savoir qu'est-ce qui va se passer. À Kisangani, qu'est-ce qui va se passer au pays? Et je vous souhaite une bonne journée, bon début, dis-moi d'autres chez vous, et à demain pour d'autres actualités.